Bonjour, je vous reprends avec une meilleure tête. C'est le lendemain de mes 30 heures de migraine, algie de la face, pétage de plomb, horrible. Horrible. J'ai peur que ça reprenne tellement c'était violent. J'ai rendez-vous début de semaine prochaine avec le médecin parce que, comme je vous dis, c'est de plus en plus récurrent. Ce ne sont pas des simples migraines, ce sont aussi des algies de la face avec le nerf trijumeau, une inflammation. C'est comme si on vous envoyait des aiguilles, on vous mettait des aiguilles ou des décharges derrière le... C'est terrible. Et donc, il veut qu'on fasse quelque chose, un traitement de fond, des bêta-bloquants, il m'a parlé, en plus des triptans, enfin un truc. Voilà. J'ai un peu peur parce que je suis pas fan de tout ça, moi. En général, je fais des mauvaises réactions comme les triptans, mais c'est tellement horrible que je suis prête à tout. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il est déjà 14h50, on avait du monde ce midi, et notamment son frère qui est là-haut, avec Eric. Il est en train de tester son simulateur. Moi, j'ai rendez-vous, 3h30, donc bientôt. Je vais me mettre un petit peu de... faire poser du vernis semi, laisser mes ongles reposer un petit peu, mais je me rends compte quand je fais des vidéos, notamment face cam pour la boxe, avec des plans un peu serrés, un peu de près, c'est quand même mieux d'avoir les ongles faits. J'ai envie de me faire un petit marron, j'hésite entre marron, noir, voilà, je pense pas partir dans des trucs un peu colorés, voilà. Donc bien sûr je vais mieux après ces 30 heures, on se sent bien, mais je suis, voilà, il y a ça aussi, je suis tellement épuisée, à tel point que dans ma douche ce matin, fallait que je me lave également les cheveux, j'ai pris ma douche assise dans la douche, et j'ai prévenu Eric, j'ai dit écoute, si je suis pas redescendue en 30 minutes, tu viens checker, tellement ça tournait que j'avais peur de tomber, pour vous dire, ça secoue, c'est quand on ne l'a pas vécu, quand on ne peut pas se rendre compte, et c'est pas, je vous dis, des simples migraines, déjà des migraines, c'est horrible, mais alors des migraines algie faciale, pire douleur, horrible. T'as l'impression que tout le temps t'as des aiguilles, des décharges électriques partout dans le crâne, tout là. Moi c'est souvent la partie droite, tout comme ça, dans l'œil, tac, horrible. La dent, enfin tout communique, le haut du crâne. Vous l'aurez compris, c'est compliqué. Donc quelque part j'ai un petit peu d'espoir avec ces traitements. On verra bien. On verra bien. J'ai fait mon checking parce qu'hier j'étais pas du tout capacité. Je fais mon checking tous les premiers de chaque mois pour les box, savoir en fait tous les débits des premières box, puisque la box vous pouvez la commander, notamment celle de novembre encore, jusqu'au 10 novembre. Elle va être très belle, hein, forcément. Vous êtes encore très nombreux à la commander, encore plus que le mois précédent. Ça fait très plaisir. Je vais arrêter de vous parler là parce que je vais aller les voir, voir s'ils s'en sortent, et puis après je vais filer tranquillement. Mon petit rendez-vous. Bon, même s'il y a marqué Do Not Disturb, je vais quand même frapper. Alors, Lionel? Il n'entend rien, parce qu'il a le bruit du moteur à fond dans les oreilles. Ah ouais? Il est plus avec nous. C'est fini. Tu peux lui dire n'importe quoi. Ah ouais? Ou qu'il est moche. Oui, qu'il est moche, celui-là. Il va lui la casser, et c'est une Porsche. Hein. C'est un Cayman en plus. Ah oui. 700... Alors, c'est une Porsche Cayman 718 GT4. Il y a plein de monde! Non, mais pourquoi il crie? Parce qu'il a le bruit du moteur à fond dans les oreilles. Faut qu'il tourne plus le volant. Mais bébé, il débute. Bon, moi je vais y aller. Hein. Ouais. Quelle heure est-il? 22. Je suis arrivée. Pour une fois, je suis en avance. Comme je suis un peu en avance et que je sais qu'il y a un nouveau bar à sandwich qui vient d'ouvrir juste à côté et qu'il n'y a personne vu l'heure, je vais essayer de vous montrer. C'est sympa, hein? Donc on est au centre Leclerc. C'est tout nouveau, tout nouveau. Mais c'est joli, hein? Il y aura des choses différentes, ça sera un bar à sandwich, c'est ça? Oui, donc ils proposeront la même chose, mais dans un cadre refait à neuf. Allez, je vais aux ongles avant. Donc ça sera plutôt dans les tons comme ça, c'est pas forcément marron, c'est plutôt violine. J'hésite entre deux. Là. Il y a du taf. Je viens de rentrer. Et je suis très satisfaite. Alors, j'ai pris la teinte Vampirella, qui est plutôt violet plutôt que marron. Et bon, bah, c'est canon. Hein. C'est très très joli. On les a un peu coupés pour les régulariser. Mais j'adore le rendu. Bon, bah, c'est hyper automnal. Et quand je vais faire mes petites présentations en vidéo, ça sera quand même plus clean. J'avais dit que j'irais faire 2-3 courses. Donc, en plus, j'étais à Leclerc. Mais il y avait tellement, tellement de monde que je... Non. Je ne l'ai pas senti. Si j'y vais, ça sera soit dans une supérette, soit un Inter, qui est plutôt plus à taille humaine. Ouh. Votre Colissimo sera livré quand? Samedi 4. Bravo. On a un petit loupio qui est caché. Il est caché celui-ci. Il est en train de se ramollir le cerveau sur son radiateur qui est hyper chaud.
Ça vient de me revenir. Hier, quand j'étais chez ma maman, elle m'avait préparé de la pâte à crêpes. Ouais, je vais faire ça. La pâte à crêpes. Cool. Cédric, là, il est parti se promener avec son frère. J'adore quand la maison sent les crêpes. Je m'en rends pas compte. On m'a mis ça là-dedans. Putain, je suis con, quoi. Comment ça marche? Ah non, je vais pas faire comme le champagne. Enfin, c'est quoi cette histoire? Je vais quand même pas l'appeler pour lui demander comment on ouvre sa boîte. Ah, j'ai réussi. Elle nous a mis du rhum. J'adore quand il y a le rhum. C'est tellement meilleur. Faut que je remélange. On l'a pas fait semblant avec le rhum. Non, c'est pas pour mon Jackie. Par contre, Jackie va avoir du pâté parce que je l'ai remis sous cortisone. Regardez comme elle est belle cette pâte. Ouf. Faire des crêpes, en l'occurrence j'ai pas fait la pâte moi, c'est vraiment un truc réconfortant. Parce que je... L'odeur, le goût, tout. J'adore ça. Eh, hey, elle est belle hein. Première crêpe. Il y en a un autre, je vois, qui rôde là depuis tout à l'heure, mais non. Lui aussi il kiffe les crêpes, je vous le dis. Je suis désolée, hein, mais. Ouais, c'est son mort. Vous aussi vous faites ça, un petit peu de beurre dans du papier sopalin. Vous entendez ce bruit. Par contre, ça descend un petit peu trop vite à mon goût. J'en ai fait 3 hein, seulement. Bon, bah voilà, j'ai pu en faire 8. C'est déjà ça. Non, arrête, Jack, je vais les mettre. Je vais les protéger. J'ai mis un petit film. Non, c'est pas pour toi, Jackie. Non, c'est pas pour toi. Descends. Je vais te donner une mission. Oui. Je t'explique. Oui. Cette petite figurine que je trouve très mignonnette. Et cette boîte. Je n'arrive pas et je voudrais, si t'as le matos, me faire un trou pour que ça tienne une bonne fois pour toutes. Soit comme ça. Soit vertical. Faut la coller. Ah, mais ça ne tient pas. Bah, si, faut mettre de la ravite. Tu as un truc, toi? Faut acheter de la cérite. Ça tombe bien, je peux en acheter. Ah, bah, cool. Donc, j'en achèterai moi. J'aime trop. Ah, c'est cool. Bah, je te le mets là pour pas qu'on oublie. Okay. La cérite. Donc, j'ai fait des crêpes. Cool. Oh, pardon. Pas beaucoup, hein. Il y en a 8. Ça veut dire que tu vas en manger 7. Ouais, oui, bah, j'en ai encore. Je vais mettre en pyjama. T'as bien raison. Mais, je peux pas prendre, faire une douche rapide et me mettre en pyjama. Bon. Bah, évidemment. Si je mange ma crêpe. Évidemment. Moi, je sais pas vous, mais moi, quand on se... Donc je reprends, je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, voilà, j'ai qu'une envie, c'est ça, cette ambiance. Et pour la première fois, j'ai hâte de décorer la maison. Alors qu'en général, je fais, ouais, ils abusent, c'est trop tôt. Et là, je sais pas, j'ai vraiment envie. Bon, Eric, hier, il me dit, non, t'es pas sérieuse, non. Bien sûr, je ne vais pas le faire maintenant. Mais j'ai envie d'aller voir un peu chez Maison du Monde. J'aimerais aller chez BM parce que j'ai découvert BM, en fait, l'année dernière, je crois. Et j'étais épatée. Il y a t'as tout, hein, forcément. Mais il y a certains trucs, c'est pépite. Hein. Donc, j'aimerais bien aller chez BM. Je sais que j'en ai un. Il y en a à Orléans, il y en a à Chartres. Et bah Maison du Monde, évidemment, obligé à la période de Noël d'aller à Maison du Monde, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire forcément que je vais acheter. Hein. Rien que pour les yeux, je trouve ça cool. J'ai fait un petit réel en rentrant, j'ai mis sur Insta. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais t'es tout mignon toi, je te reconnais. T'es le beau chat Jackie, hein? Bah oui, l'aime beaucoup ça Jackie. T'es triste? Ah j'ai oublié, c'est l'heure en plus. J'essaie de lui donner l'heure fixe. Hier, je lui ai donné, il était 18h, donc on est bon. Par contre, je veux pas qu'il m'associe toujours, blabla, à la dame qui donne à manger. Je vais fermer la porte, je vais le mettre là-bas et je vais lui mettre sa pâtée avec le petit médicament. Allez. Il est 6h moins 10. Impec. Bon, par contre, il va pas être content. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ouais, par contre, il risque de miauler fort. Donc, la gamelle, le petit médicament. Oh, non, mais vous entendez le cinéma. Acteur studio, lui, hein. Ça va, ça va. Allez, calmez votre pote. Oh, mais c'est pas humain ces bruits-là. Ouverture. Et non, et non. Attention. Mais ça va pas, non? C'est bon. Je suis pas certaine que ce soit super net, vu qu'il fait un peu nuit, il est 18h passé. Et vu que ça reprend un peu côté droit mon algie vasculaire là, dans l'œil, et que j'ai envie de bien dormir, je vais aller me chercher de l'homéopathie sanguinaria toutes les 2 heures. Si c'est placebo, bah écoutez, tant pis et tant mieux. Mais en tout cas, j'ai besoin d'être soulagée rapidement. Merci bien. C'est quoi?
dangereux un peu en traversant. Nous sommes le lendemain, il est 14h. Petit coup de baume. Je vous ai quitté hier. Je crois que je partais chercher ça d'ailleurs. Qui n'a absolument rien fait. J'ai passé la nuit avec... Là, on n'est pas sur une migraine, hein, mais je vous ai dit, les deux sont combinés. On est sur le nerf trijumeau, blablabla. Pression de l'œil, pression partout. Ce matin encore, là, j'en peux plus. On est vendredi, j'ai rendez-vous que lundi, et je ne me vois pas passer le week-end avec cette douleur. Le paracétamol n'a aucun effet, n'est pas assez puissant sur cette douleur qui rend dingue. Et j'ai eu mon médecin, je lui dis, est-ce que je peux avoir quelque chose de fort. Donc, il m'a dit qu'il m'envoyait par mail une ordonnance, soit avec codéine, soit de l'opium. Et comme ça, moi, ça va me calmer le temps du week-end. C'est ouf. Je suis très embêtée. Clairement, je suis embêtée parce que voilà, j'ai pris la décision de vlogger 3-4 fois par semaine, ce qui représente beaucoup. Forcément, je vlogue mon quotidien et je suis un petit peu, quelque part, obligée un peu de passer par là, enfin, en tout cas de vous en parler. Moi, j'aimerais plutôt être en mode pompe-pélope, tout va bien. Je suis dans une phase là, dans une phase qui n'est pas cool. On va essayer d'ajuster tout ça et je me dois de... J'aimerais faire une petite pause, mais je ne peux pas me permettre. YouTube, c'est également une de mes activités. Et donc je peux pas ne pas publier. Donc c'est à mon rythme, c'est avec un contenu qui est en tout cas le plus proche de ce que je vis aujourd'hui. Et donc c'est ça. Je vais checker si j'ai reçu. J'ai reçu, cool, j'ai l'ordonnance, je file, il est 14h, c'est bien. Et autre chose, parce qu'il y a quand même des choses très cool. J'ai reçu des prototypes, notamment pour box d'hiver, donc janvier ou février, je ne sais plus, à tomber par terre. Il y a quelqu'un qui était là encore ce midi. Et la personne a vu également, c'est splendide. Donc on s'y prend suffisamment tôt parce que c'est du boulot pour cette création. C'est box le boudoir, c'est du boudoir, c'est beau. J'ai tellement hâte. J'ai reçu également, là en même temps, un cadeau box gold. Sublime, sublime. J'ai envie de vous montrer rapidement tellement c'est joli. Déjà, c'est dans un... C'était un collier dans un coffret comme ça. L'élégance. Oh, c'est un collier. Voilà, entre... Attendez, je vais vous montrer peut-être avec ça. Le cadeau, ça sera en version collier. Donc, on a des petits rectangles avec des pierres bleues, des strass. Waouh. Tout ce qui est en préparation là pour les box, et notamment celle de novembre. J'ai encore reçu là un check pour validation. Je suis hyper contente. Très très contente, hâte de vous proposer tout ça, hâte d'aller mieux évidemment, évidemment aussi, mais pour ça il faut que je fasse les choses, il faut que je me soigne. Je vais imprimer l'ordonnance et je file. Et surtout, vu qu'il fait quand même très froid, hier j'ai eu froid en allant chercher ça, j'ai eu très froid. Là on est à 9 degrés, hier on devait être à 5 degrés et pas bon quand t'as des névralgies comme ça, le froid c'est terrible, il faut absolument que je me couvre de fou. Je pense que je suis pas mal, j'ai même mis un truc en plus comme un bonnet. Il faut que je ressorte mes gants aussi, ça serait bien. On peut mettre une écharpe, mais au moins là, ça va. Il pleut. Ça tient bien chaud, hein, je vous le dis ça. Bon, je me dépêche, je prends mon médicament, je fais le montage avant que... Parce qu'elle m'a dit, vous connaissez? Vous avez déjà fait? Je dis, non, je crois pas. Elle me dit, ça peut vous endormir. Je dis, tant que ça endort la douleur, ça me va. Donc je vais d'abord monter le blog avant que je ne m'endorme sur mon écran. Allez. Non, toujours pas. Non. Qui êtes-vous? Ça fait une heure que j'ai pris le médicament. J'avance là sur le vlog. Alors, clairement, il se passe des choses. Déjà, ma douleur est comme anesthésiée. Ça, c'est clair. Je flotte. Je suis un petit peu anesthésiée de partout. Je sens que je lutte. Vous voyez, les paupières sont lourdes. L'objectif antidouleur, plutôt pas mal. Vraiment. Donc là, j'ai quasiment terminé le vlog. Je suis contente. Demain, nous sommes samedi. Oui, samedi, dimanche, j'allais dire repos, oui et non, je ne monte pas et tout, mais il faut que je tourne si je dois publier lundi. Mais ça va être quand même plus soft, voilà. J'avais autre chose que je voulais vous dire, pas m'en demander trop quand même. Je vous retrouve lundi, je vous fais des gros bisous et merci de m'avoir... suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Par contre, c'est compliqué pour sujet, verbe, complément, mettre tout.
c'est pas ouf. Bon, je vous fais un énorme bisou et puis à lundi. Ciao. Salut. Bisous.